my shirt before she leave. I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing où je vais vous présenter les produits de chez GBFKE. Donc il s'agit d'un partenariat. Nous avons eu notre premier contact le 13 avril. Ils m'ont envoyé ma commande le 16 avril et je l'ai reçue le 27. Alors, GBFKE m'a alloué un budget de 15 € pour choisir les articles de mon choix dans tout leur site. Pour commencer, et surtout pour ne pas oublier de vous le dire avant la fin des vidéos, chez GBFKE, les frais d'envoi sont gratuits pour les commandes à partir de 60 €. Donc, dès que vous dépassez les 60 €, les frais de port sont gratuits. Sinon, il vous en coûtera le prix de 7,99 €. Donc, voici le petit paquet que j'ai reçu avec les articles que j'ai choisis. Donc, ça se présente dans un plastique opaque qui fait beaucoup de bruit, mais ça, c'est comme toujours. Alors, je vais faire ça pour être sûr de ne pas abîmer le contenu. Voilà, et donc nous avons un produit, deux produits, trois produits et un petit quatrième produit. Donc, il n'y a plus rien dans le sachet, je vais le mettre de côté. Donc, comme on peut le deviner, nous avons trois toiles et un accessoire. On va commencer par l'accessoire. Que je vais vous déballer de suite. Voilà. Hop. Donc, nous avons la petite barquette, le pain de colle et le stylet habituel. Hein, donc, le petit toolkit, pardon, pas le toolpic, avec la barquette verte et le stylet rose. On va l'ouvrir. D'habitude je ne les ouvre pas, sauf quand il y a des petits sachets en plastique, hein, pour voir combien ils nous en ont mis, si j'y arrive. Hop, voilà, ça devrait le faire. Voilà, on y est. Hop, nous avons donc 5 sachets. 5 petits sachets plastiques, donc 3 ici et 2 ici. Donc on va les remettre de suite, parce que sinon on va vite se retrouver débordé sur la table avec un bazar monstre, je me connais. Ensuite nous avons les articles, waouh, ils ont l'air, hein. J'adore, un de mes personnages préférés. Donc, vous l'avez reconnu, hein, je suppose, hein, c'est Stitch. Donc, Stitch en porte-clés. Alors, on nous annonce dans le paquet. Moi, je lis mes petits brouillons. Où est-ce que je les ai mis? Oui, ah, voilà. On nous annonce aux petits porte-clés. Donc, on va vous les montrer. En voici un. Deuxième, les oreilles baissées, on dirait un peu qu'il a fait une bêtise comme ça et qu'il est tout gêné. Le troisième, il a peur, on ne sait pas trop. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a l'air effrayé. Un quatrième. Il a une grosse faim là. Un cinquième. On va voir si le nombre d'attaches. Donc, il y avait donc les attaches pour chacun. Hein. Voilà. 3, 4, 5. Donc j'ai 5 personnages. Et 5 attaches. Alors sinon on va quand même les regarder, hein. Donc c'est en plexi dur. Donc on a un petit trou ici dans lequel je suppose, hein, je découvre avec vous parce qu'il n'y a pas de petit mode d'emploi, donc ça ne doit pas être compliqué, je suppose, hein. Donc on passe, voilà, la petite chaînette et ensuite dans le trou ici, et j'ai tout lâché, donc du coup ça ne me va plus. Voilà, ici, hop, et on attache, et voilà, on a notre petit porte-clés, voilà, comme ceci, avec la petite attache ici. Alors, est-ce que ça colle bien? Donc, il y a un petit film transparent, je vois qu'il y a un petit pli, donc il y a un film transparent, le voilà, ça colle super bien, et je, attendez, j'ai le plastique qui s'est remis, bien entendu. Voilà. Et bon, j'espère que vous verrez bien au retour caméra. Sinon, je vous ferai une petite photo comme d'habitude. Sinon, les symboles sont super bien lisibles. Donc, je ne vais déjà pas... Je vais déjà tout rassembler, mais pas ranger complètement pour pouvoir faire les photos. Et on va quand même regarder les perles, hein. Voilà. Peut-être que sur celui-ci, non, j'arrive pas à faire la mise au point. En plus, il y a des reflets. Voilà. On va tous les rassembler. Je vais quand même vous les remontrer encore une fois. Ceux-ci, j'avais l'intention de les faire pour quelques-unes de mes collègues qui sont fans de Stitch. Et on va passer aux perles. Alors, les perles. Donc, les perles sont dans des sachets en ribambelle. Voilà. Hop. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs. Donc ce sont des diamants, on va dire traditionnels, hein. Diamants ronds traditionnels. Et voilà, je vais vous brièvement vous montrer les couleurs. Voilà. Sur le sachet, on retrouve la référence du produit. Ici en dessous. Et juste au-dessus de la référence du produit, on a le numéro du sachet. Qui correspond, j'ai pas bien regardé, en fait, qui correspond en fait à la référence qui est sur l'objet. Donc, des sachets numérotés de 1 à 12. Donc, des symboles de 1 à 12 sur les objets. Voilà. Donc, on retrouvait... Donc, voilà pour le premier produit. Je fais beaucoup de bruit dans ces plastiques-là. On n'a pas beaucoup le choix. Mettre ensemble. Voilà pour le premier produit que je vais mettre de côté de suite. Voilà, voilà pour le premier produit. Donc ensuite, non, pas ensuite, voilà, j'allais déjà oublier. Donc pour porte-clés, ici pour moi 5, en diamant rond, avec tous les petits accessoires qu'il faut pour les monter, on va dire, les fabriquer. Eh bien, ils sont sur le site au prix de 3,99 €. Voilà, voilà pour le premier produit. On va passer au suivant. Je me souviens de ce que j'ai acheté, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est dans quel paquet. Donc, on va le découvrir ensemble. On va voir si on sait le décoller facilement. Non, donc je vais utiliser de nouveau mes ciseaux en faisant très attention. Donc, nous allons le découvrir ensemble. Alors, voici. Hop, ouais, ça y est, je sais c'est laquelle cette fois-ci. Voilà. Donc, présenté dans un papier blanc à bulles. On trouve un deuxième petit paquet transparent. Paquet où je vais encore avoir difficile de trouver les... hop, un petit souci avec l'emballage. Je n'arrive pas à trouver... Ah, ça y est. Apparemment, voilà, voilà, voilà. Voilà la première toile sur les trois. Voilà. Hop. Donc, il s'agit j'ai caché, d'une toile que l'on nous annonce en 30/40. On nous dit bien que c'est du diamond painting et on a le numéro de référence de l'objet. Alors, on va vous montrer directement la toile. Donc, pour cette première toile, j'ai choisi celle-ci. Voilà, c'est le petit cochon dans le dessin animé Vaiana. Le voici, le voilà. Tout beau, je l'adore, il est vraiment trop mignon. Alors ici, c'est une toile partielle. Donc, on ne doit diamanter que le cochon. Voilà, donc autour, on voit bien que ça ne colle pas. Et le cochon, lui, par contre, il colle super bien. Tant que c'est découvert, je vais vous montrer qu'on voit bien les références. Voilà. Le cas échéant, comme d'habitude, si on ne voit pas bien au retour caméra, lors du montage, une petite photo. Voilà. Il est recouvert d'un papier plastique transparent, donc ce qui va nous éviter d'avoir la formation de rivière. Alors, je vais le remettre correctement pour qu'il y ait déjà un petit peu moins de plis. Voilà. Il est très beau en tout cas, j'aime beaucoup les couleurs. Donc, il se compose de 14 couleurs. Donc, ce sont toutes des diamants traditionnels. Donc, pas de diamants AB, de diamants spéciaux. On a donc 14 références qui sont sous la forme de lettres majuscules et de symboles. Donc, voilà, on retrouve le numéro de la référence. Ensuite, les symboles et également les références d'MC toutes sur le côté, juste à côté du symbole. Donc, lorsqu'on aura terminé, s'il nous reste des diamants, on pourra les récupérer et les classer. Par contre, pas de feuille de route, mais ça, c'est comme de plus en plus souvent, hein, comme je le dis chaque fois. Pas de feuille de route, donc pas de contrôle sur les diamants avant d'avoir fini le DP. On ne sait pas si on en aura assez. Mais j'ai déjà acheté chez GBFKE jusqu'à présent. Au niveau diamant, je n'ai jamais eu aucun souci. Donc, le petit toolkit, ben, c'est le petit toolkit de base. Hein, la petite barquette verte, le pain de colle, le stylet. Et on va passer aux diamants. Je ne vais pas tous les ouvrir parce qu'il n'y a pas de diamants spéciaux. Donc, ce sont des diamants ronds comme on a l'habitude de les voir, hein, les traditionnels. Voilà, ici. un petit peu de l'autre côté, comme ça vous voyez quelques couleurs. Et on retrouve, je suis en train de regarder en même temps, sur le sachet, eh bien, la référence du produit et le chiffre. Le chiffre, donc le numéro de la référence, donc on trouvait ici tout en bout de légende. Donc, par exemple, là, j'ai le sachet 8. Sachet 8, on redescend. C'est la référence N et c'est du 535. Donc, avec le numéro du sachet, on s'est retrouvé la référence DMC. Et donc, il n'y a pas de souci pour les ranger après. Voilà, cette petite toile donc qu'on nous annonçait en 30-40 et dont je vais vérifier la taille. 31 sur 40. Donc, une toile 30-40 bord compris. Et donc, cette petite toile partielle en 30 sur 40, taille de la toile bord compris, eh bien, elle est sur le site au prix de 3,99 €. Donc, voilà pour le deuxième article que j'ai choisi. Donc, le petit cochon dans le dessin animé de Vaiana. Je ne me souviens plus de son nom. Si vous voulez, vous pouvez me le mettre en barre de commentaires. Comme ça, ça me rafraîchira un peu la mémoire. Donc, le voilà. Tout mignon, tout beau. Donc, nous allons... Hop. Le remettre dessus dans son emballage. Je vais remettre le toolkit. D'habitude, je ne les range pas. Je mets tout dans un grand sac, mais bon, ici, j'ai pas envie d'avoir trop de bazar sur ma table. Voilà, voilà. Alors, produit suivant. Hop, on va prendre celle-ci. Voilà. Une autre toile qui ne se décolle pas trop facilement. Donc, mes amis, les ciseaux sont là. Ah, ça, c'est la toile pour faire plaisir à ma fille Emma. Donc voilà, une toile que l'on nous annonce en 30 sur 40. On nous dit que c'est du diamond painting. Et on a la référence, ici, le nombre, la référence du produit. Alors, on va l'ouvrir. Si, cette fois-ci, ça va tout de suite. Voilà. Ah, ben, je m'améliore. Il y a du progrès. Donc, voilà une petite toile. On va vous la montrer directement. Voilà. Une... petite toile qui représente 6, ouh là là, non, il y a plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeunes gens. En fait, il s'agit d'un groupe de chanteurs coréens, les BTS, dont ma fille est folle, fan, vous dites comme vous voulez, mais elle les adore. Et donc, quand je l'ai vue, je lui ai montré, elle m'a demandé, oui maman, fais-la pour moi s'il te plaît. Donc, la voici. Donc, on nous annonce une toile en 30 sur 40. On va vérifier directement la taille. 30 sur 40 et demi. Et donc, ici, de nouveau, c'est la taille avec les bords. Donc, l'image, elle fait 25 sur 35. Mais elle est recouverte d'un plastique transparent. Et la toile colle bien. Alors, au niveau des symboles, ben, ils sont super bien visibles, hein, aussi bien dans le clair que dans le foncé. Donc, je vais vous montrer ceci. Voilà, les symboles qu'on voit super bien. Et la toile en général. Voilà, on va remettre la petite feuille. Un petit peu plus à plat, peut-être on verra mieux les personnages comme ça. Il y avait quelques petits plis, donc là c'est un petit peu plus à plat, on les voit un peu mieux. On va le faire de l'autre côté également. J'ai loupé mon coup. Voilà, alors on a sur cette toile 22 couleurs, donc on a 22 références de couleurs ici. Voilà, on les retrouve de chaque côté de la toile, hein. Ici en haut et de l'autre côté en bas. Donc 22 références, donc qui sont numérotées de 1 à 22. On retrouve des lettres, des chiffres et des symboles. Et on a également la référence DMC tout au bout. Donc, on pourra récupérer des diamants par la suite. Donc, les voilà. C'est vrai qu'elles donnent super bien. On va passer au toolkit. Il est traditionnel. Barquette, pain de colle et petit stylet. Alors, il n'y a pas de diamants spéciaux. On les retrouve dans... des sachets en ribambelle et ce sont des diamants ronds. J'allais dire, je ne vais pas vous ouvrir les sachets étant donné qu'il n'y a pas de diamants spéciaux. En plus, je ne trouve pas l'entrée du sachet. Ah si, on va regarder quand même un petit peu. On verra mieux, il y aura moins de reflets si je les sors un peu du sachet. Donc, sur les sachets, ici encore, on retrouve, on va essayer de ne pas faire de reflets, la référence de la toile qui est suivie du numéro du sachet. Donc, par exemple, référence 22, symbole 4 sur la toile pardon, c'est du 3865. Donc, des diamants roux. On va vous en montrer quelques-uns. Voilà, donc du rouge, du jaune, du mauve. Voilà. Voilà pour cette deuxième toile. Donc, cette toile en diamant rond, d'une dimension de 30 sur 40, bord inclus, elle est sur le site de GBFKE au prix de 3,49 €. Voilà, pas cher du tout et une heureuse à la maison. Voilà, voilà. Hop. Bon. J'ai de nouveau deux mains gauches. Voilà, ça y est. Pour notre troisième article. Et pour terminer, on va passer au tout dernier article. Donc, une toile qui a l'air un peu plus grande. Hop, on va ouvrir le sachet. Voilà. Et donc voici la dernière toile. Ici, il n'y a plus rien dans le sachet. Je vais commencer dans l'autre sens cette fois-ci. On va commencer par les diamants. Ah, j'entends le toolkit qui est coincé quelque part. Le voilà. Alors, le petit toolkit, on va commencer par lui, hein. Toolkit de base avec la petite barquette verte, la colle, le stylet rose. Et nous avons quelques sachets. Alors, combien de sachets avons-nous? Voilà. Un, deux, 4 sachets avec ce toolkit. Voilà, voilà. Là, le toolkit. Ensuite, on va passer aux perles. Donc, moi, je sais déjà à l'avance que il n'y a pas de diamants spéciaux. Donc, diamants traditionnels. Nous avons... Je vais quand même ouvrir parce qu'il faudra comparer avec ce qu'il est écrit sur la toile. Donc, je vais en sortir un. Ma couleur préférée, évidemment. Le mauve. Je crois qu'il tire un peu sur le rose. Donc, on a ici les perles rondes traditionnelles dans des petits sachets zippés cette fois-ci. Des sachets, c'est mes sachets préférés. Parce qu'ils sont plus faciles à récupérer. Et puis, à la limite, parfois, je travaille même sans contenant, je travaille directement à partir des sachets et quand j'en ai trop dans ma coupelle, je les remets directement dans les sachets. Pour ce qui est écrit dessus, on regardera après. Le nombre de couleurs, on va le découvrir en découvrant la toile. Ben voilà, ma toile que j'ai choisie. Voilà, c'est une toile avec un gnome. Donc une toile qu'on nous annonce en 40 sur 40 en nous disant que c'est du diamond painting. Elle est recouverte d'un papier plastique transparent. Que je vais remettre à plat tout de suite pour qu'on voit un peu mieux. On fera un peu plus à plat, on verra un petit peu mieux le dessin. Hop, on va passer de l'autre côté. Voilà. Donc, le petit gnome rose. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ici, je la dépose, j'aurai plus facile. Le petit nœud rose. Le petit nœud rose qui symbolise la lutte contre le cancer du sein. Eh bien, c'est bien lui que l'on retrouve ici. Et on retrouve inscrit sur la toile « Peace, Love, Hope ». Désolée pour mon anglais. Donc, « Paix, Amour, Espoir ». Et alors ici, « Breast, Cancer ». Je n'arrive pas à lire. « Awareness ». Je ne sais plus la traduction littérale. Mais c'est pour le soutien contre le cancer du sein. Donc, je trouve ça une super chouette initiative de retrouver ça sur un DP. Ça me touche particulièrement d'ailleurs. Je trouve que ces personnes-là doivent être bien soutenues hein, parce que c'est vraiment une saleté de maladie et ça laisse des traces à vie même quand on en guérit. Donc, on nous annonçait, je vous disais donc, une toile de 40 sur 40. 40 sur 40. L'image, elle fait 34,5 sur presque 35. Donc, 40 sur 40, c'est la toile bord inclus. J'ai oublié de regarder si ça collait bien. Aucun souci. Les symboles sont bien lisibles. Le W sur fond noir un petit peu moins, mais c'est le seul symbole sur fond noir, donc ça ne doit pas poser de problème. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, si on ne voit pas les symboles, j'en ferai une photo. Pas de problème. Oh non, même le W, on le voit bien. Et comme je dis, c'est le seul qui est sur fond noir, donc il n'y aura pas de souci. On va recoller avant de faire des catastrophes. Donc, sur cette toile, on a 21 couleurs différentes qui sont représentées par des symboles uniquement des lettres en imprimé. Voilà, donc 22. Donc, le numéro du symbole, le symbole et la référence DMC. Alors, sur le sachet, que retrouve-t-on? Donc ici, c'est le sachet numéro 13. Alors, numéro 13, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? A3652, est-ce qu'on... Oui, voilà, ça c'est la référence de la toile qu'on retrouve sur le sachet, le numéro du sachet. Et que retrouve-t-on d'autre? Eh bien, le grammage, en fait. Voilà. Le grammage, le poids en grammes de diamant qu'il y a dans le sachet. Donc, c'est un petit peu compliqué de pouvoir quantifier selon le gramme le nombre de diamants. Donc, comme il n'y a pas de feuille de route, on ne sait pas plus vérifier. On verra ça en fin de toile. Mais comme je dis, au niveau diamant, j'ai jamais eu de souci avec eux. Donc, référence 13, c'est le 3608 de DMC. Et ça, on le retrouve également à côté du grammage, en tout petit sur l'étiquette. Donc, voilà, une très, très jolie toile. C'est ma toile chouchou, mon objet chouchou sur les trois. Et... donc cette toile en 40 sur 40, donc taille de la toile bord inclus, sur le site ce petit gnome en perles rondes est au prix de 4,99 €. Alors un petit gnome pour une grande cause, eh bien franchement je suis émue, je suis très touchée par cette toile, franchement qu'on fasse un petit clin d'œil, si on peut appeler ça comme ça, un petit soutien. Même par le DP, je trouve ça vraiment un très 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 beau geste. Donc voilà, tous les produits que je vous ai présentés, vous retrouverez leur lien pour les retrouver facilement sur le site. Vous les retrouverez en barre d'infos, ainsi que bien sûr entre le lien du site. Je rajouterai également dans ma barre de description le lien pour aller sur la page Facebook de GBFKE. En effet, ils ont une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc tout se trouvera dans la barre de description. Donc c'est sur cette super chouette toile que se termine ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, il vous suffira d'activer ma petite cloche. Ciao, ciao!